1,3 million la dernière fois en 2002. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux. Il va falloir qu'on mène une campagne de proximité, remettre tous les systèmes en place et avancer. Je crois que tu as bien démarré là, avec tous ces meetings. Mais avec la campagne des campagnes que je mène déjà depuis septembre 2006, sur le terrain, près d'une cinquantaine de déplacements dans les territoires et les terroirs de France, à la rencontre des forces vives de la ruralité, j'ai pu entendre la France, j'ai pu entendre les Français, les écouter et proposer un projet. Ce projet que nous allons porter, c'est le projet pour la ruralité d'abord, mais qui est tout à fait transposable dans les villes, parce que vous savez, ruralité, ça rime avec quartier. On peut faire du développement économique, créer des emplois, on peut soutenir notre agriculture, mettre fin à la fermeture des services publics, lutter contre la désertification médico-sociale, porter une autre Europe. Une autre écologie est également possible dans notre pays, une écologie incitative, respectueuse de l'homme et de ses activités, un projet collectif, un projet de solidarité dans notre pays qu'on peut facilement transposer dans les villes. Ruralité, ça rime avec quartier. Il n'y a pas de Français de seconde zone, il n'y a pas de territoire de seconde zone dans ce pays. Tout le monde a droit à sa part de progrès et de développement. Et là, on peut d'ailleurs, dans ce territoire, on peut insérer le problème de l'écologie, parce que les Verts, avec leur système qui est très sectaire, et le nôtre qui est incitatif, je crois qu'on doit pouvoir faire l'équilibre entre tout ça. Mais l'écologie de salon, on en a assez. Il est temps de passer à une écologie incitative, une écologie d'équilibre, qui va respecter l'homme et ses activités, qui va donner à tout le monde à la fois les moyens et l'intérêt d'agir bio, d'agir écologique, ouais. Parce que ça coûtera moins cher. Aujourd'hui, c'est du luxe. Et il faut combattre justement et rejeter cette écologie punitive portée par les Verts. Et c'est bien pour ça que je n'ai pas signé d'ailleurs le pacte écologique de Nicolas Hulot. Ça, c'est bien. Parce que cette écologie ne fonctionne qu'à coup de taxes, de punitions, de restrictions, de sanctions, d'exclusions qui va faire de nos zones rurales des réserves d'Indiens. Ça suffit. Les vieilles recettes du passé qui justement ne marchent pas, puisque l'environnement va plus mal aujourd'hui qu'il y a 25 ans, c'est justement que ça ne marche pas. Il est temps de passer à autre chose. Il nous faut une écologie humaine, une écologie réaliste, une écologie d'équilibre, une écologie incitative. Je crois qu'on a raison de développer le territoire comme on le dit, comme on le fait. Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, c'est vrai que l'agriculture, c'est un point important, hein. Il faut peut-être qu'on en dise un peu plus. Le problème de la ruralité, justement, c'est qu'elle est composée de minorités. Les agriculteurs, ouais. Les chasseurs, les commerçants, les artisans, les élus des petites communes. Et qui tous connaissent d'énormes problèmes parce qu'ils sont sacrifiés. On est minoritaire, résultat, les pouvoirs publics, de gauche comme de droite, nous oublient complètement. On a besoin d'inverser cette tendance, d'assurer une politique d'aménagement du territoire équilibrée, où tout le monde aura sa part de progrès, sa part de développement. C'est ça qui compte, c'est une égalité des chances pour tous. Alors il s'agit de soutenir par les charges, par une baisse de la fiscalité, l'installation des artisans, des commerçants, des petites entreprises, surtout si ce sont des jeunes et les chômeurs qui veulent se relancer, faire de la reprise d'activité, mais en même temps, il faut soutenir l'activité rurale traditionnelle, notamment l'agriculture. Aujourd'hui, l'Europe et la mondialisation sont en train de casser nos agriculteurs. Moi, je suis désolé, il faut qu'on soutienne l'agriculture française, il faut qu'on soutienne les agriculteurs français, parce qu'ils font des produits et des productions de qualité. L'Europe, avec l'élargissement, a fait rentrer nos principaux concurrents agricoles. Résultat, notre agriculture disparaît. Et il n'y a pas de volonté politique à gauche comme à droite de défendre nos agriculteurs. Il faut une préférence à la fois communautaire et une préférence française pour les productions. Oui, et c'est là où on pourra aussi intégrer, parce qu'il ne faut pas oublier le territoire, qu'on y vit, on a notre qualité de vie, notre façon de vivre, c'est toutes ces traditions qui font la vie de chacun, les différences entre les régions, les différences entre les hommes, et peut-être aussi plus de liberté, parce que ça peut être la liberté de chasser, de pêcher, et de vivre tout simplement à la campagne. Mais il faut l'égalité des chances dans une France des différences. Une France des différences qui respectera les cultures de chacun, sans verser dans le communautarisme. Une France des différences qui respectera notre patrimoine historique, qui respectera nos langues régionales, de façon complémentaire justement à cette fameuse identité nationale dont on a tous besoin parce qu'elle sert de repère dans notre société. Et à côté de ça, il faut qu'on puisse bien vivre au pays, basé sur nos traditions, basé sur nos cultures, mais sur un projet d'avenir, des racines fortes pour un avenir serein.